je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Vous remercier d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Cette réunion est très importante pour nous parce qu'il s'agit de discuter de différents points qui nous concernent tous et des points que je partage avec tous les partenaires sociaux, mais avec aussi tout le personnel de l'hôpital. C'est pourquoi ensemble, nous avons jugé important de nous réunir pour 3 jours afin de discuter de tous les points qui ont été soulevés déjà par les partenaires sociaux et j'ai même augmenté d'autres points. Nous avons jugé important d'inviter le président du conseil d'administration parce que comme vous le savez tous, toute ébauche ou bien projet de solution qui sortira de cette rencontre devra être présenté au niveau du conseil d'administration. Mais j'ai tenu également à inviter un expert qui est M. Nian, qui travaille dans un organisme international, mais qui a été pendant longtemps de ressources humaines pour qu'il nous accompagne, pour qu'on puisse terminer pratiquement l'ensemble des points à discuter et dans de bonnes conditions. Donc, je souhaite à tout le monde un bon séminaire et je vais donner la parole au président du conseil d'administration pour qu'il fasse un petit mot d'ouverture de ce séminaire. Monsieur le président, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier, Madame la Directrice, au nom du Conseil d'administration pour nous avoir associés à ce séminaire que nous jugeons en tout cas particulièrement important parce qu'il s'agit un peu de la vie et du fonctionnement de l'hôpital. Discuter avec les partenaires sociaux pour voir comment améliorer le fonctionnement de l'hôpital et les conditions de travail des gens qui travaillent dans l'hôpital est une question particulièrement importante et nous l'approchions à sa juste valeur. Et je voudrais en leur nom prendre les dispositions, en tout cas la promesse que les résultats qui seront sortir de cet atelier sera étudié par le conseil d'administration avec la plus grande attention. Donc vous encouragez à travailler, à contribuer de façon sincère pour le bien et uniquement pour le bien de l'hôpital qui est le bien de nous tous. Vous encouragez et donc j'ai pris les dispositions pour être là plus pour vous écouter que pour participer, pour pouvoir avoir les éléments nécessaires à informer le Conseil. Merci et je déclare donc l'atelier ouvert et nous pouvons commencer nos travaux. Sur instruction de Madame le Directeur, je vais m'atteler à continuer le travail qu'on a commencé aujourd'hui. Suivant l'agenda, nous devrions faire une présentation des participants, mais je souhaiterais peut-être présenter d'abord celui qu'on a demandé de venir nous aider, nous soutenir dans cette activité et qui est constitué comme, pour nous comme une personne ressource. Reconnu dans le système de santé pour son expertise dans la gestion des ressources humaines, mais qui a également, dans son expérience, bien travaillé dans la gestion des conflits sociaux parce qu'il a travaillé aussi dans des hôpitaux. Donc, je voudrais présenter M. Nian à toute la salle. M. Nian, voilà. Donc, elle lui souhaitait, en tout cas au nom de tous, la bienvenue. Pour le reste, ce sera une présentation autour de la table. On va démarrer par notre droite et faire le tour. Les uns et les autres vont se présenter. Madame Gop.